Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Ici Olga Mani, votre consultante business. Alors les amis, ce matin, je reviens vers vous avec une très belle opportunité à saisir. Il s'agit de l'opportunité Sunday Swap. Sunday Swap qui sera lancée demain le 20 janvier, qui est entre-temps là le tout premier DEX sur la blockchain de Cardano. Alors, je ne sais pas si tu es prêt à saisir cette opportunité, mais dans cette vidéo, je vais te montrer comment staker tes Cardano pour pouvoir récolter des Sunday Swap lors de l'initial stake offering qui sera lancé à partir du 20. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je vais vous inviter à vous abonner. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes futures vidéos. Alors les amis, avant de commencer, déjà je tiens à vous rappeler, Olga Mbani n'est pas conseillère financière. Je suis là juste pour vous donner des informations, pour donner mon avis et aider la communauté africaine dans l'écosystème de l'économie numérique ou alors des crypto-monnaies. Donc voilà, je vais vous inviter toujours à faire vos propres recherches, c'est très important. Pour commencer, déjà, tout ce que vous avez à faire, c'est de télécharger le wallet Cardano, un wallet Cardano. Il y en a deux. Aujourd'hui, nous allons travailler avec Yoroi. Donc, vous allez aller dans votre navigateur, taper Yoroi, cliquez simplement sur ce lien qui s'affiche Yoroi Wallet et vous allez tomber. Voilà. Vous cliquez ici. Vous allez atterrir sur cette page où on vous demandera de télécharger le wallet. Voilà, vous allez télécharger le wallet en fonction du matériel que vous avez. Si vous êtes sur téléphone, alors c'est l'Android ou bien sur l'iPhone. Si vous êtes sur ordinateur, téléchargez l'extension, si c'est Chrome, Edge, etc. Donc moi, j'ai cliqué sur Edge. Voilà, l'extension va s'ouvrir ici si vous êtes sur Edge. Vous allez voir... À ce niveau, si chez moi, ça m'est supprimé parce que j'ai déjà l'extension. Quand l'extension est installée, elle va apparaître là au niveau de votre barre de tâches. Cliquez simplement sur l'extension en question pour ouvrir le portefeuille. Ensuite, à la deuxième étape, vous allez simplement créer votre compte sur le wallet de Yoroi. Voilà à quoi ça va ressembler. Voilà. Vous allez créer un nouveau compte, vous cliquez simplement sur créer un wallet, sélectionnez Cardano, créer un wallet, le nom du wallet, vous mettez n'importe quoi, ce que vous voulez, ce qui vous arrange. Créez le mot de passe, ensuite créez votre wallet, prenez la peine de bien sauvegarder votre phrase limotique, de bien la conserver parce que si vous la perdez ou si quelqu'un, une mauvaise personne tombe dessus, alors vous allez simplement voir votre compte vidé. Donc c'est très important. Alors, la deuxième étape, quand vous avez fini de créer votre compte sur Yoroi, maintenant, ce que vous allez faire, c'est que vous devez transférer vos Cardano de votre portefeuille où ils se sont tous. C'est-à-dire là, vous avez acheté vos Cardano, ils peuvent être sur Binance ou Elbank. Ensuite, vous allez les transférer dans votre wallet Yoroi. Comment faire alors? Vous partez dans votre wallet, allez dans le recevoir. Dans recevoir ici... Quand vous cliquez sur recevoir, vous avez l'adresse externe de votre wallet Yoroi. Copiez simplement cette adresse. Venez dans votre compte où vous avez stocké vos Cardano. Non, j'ai les Cardano moi-même aussi un peu partout. Donc, j'ai quelques Cardano dans Elbank. Donc, vous venez ici. Bon, j'en avais un. Hein, je vous montre juste comment faire. Vous venez ici. Vous collez l'adresse de votre wallet Yoroi pour le retrait de vos Cardano vers Yoroi. Les frais, généralement, sont de 1 ADA. Quand c'est fait, quelques minutes après, vous allez venir dans votre dashboard, tableau de bord, et vous verrez le nombre total de vos Cardano disponibles dans votre wallet ici. Maintenant que c'est fait, on passe à la troisième étape, celle de staker ces Cardano en les déléguant à un validateur. Donc, comment déléguer ces Cardano? Il suffit simplement de venir dans Delegate ici là, pour voir la liste des agrégateurs. Je vais vous inviter à regarder cette liste. Voilà les 30 agrégateurs qui sont sur la whitelist. Voilà. Rassurez-vous de déléguer vos ADA
chez l'un de ces 30 agrégateurs. Voilà, méfiez-vous car il y aura beaucoup d'arnaques, beaucoup de scams. Donc, cette liste que vous pouvez la voir, tous ceux qui sont ici ne sont pas forcément dans la liste, la white list. Donc, prenez la peine de choisir un qui est sur la white list. Par exemple, si on met Azure, voilà, vous pouvez staker vos Cardano chez Azure et vous remarquerez qu'ils ont plusieurs pools où vous pouvez déléguer. La principale étant pleine, ils en ont créé une autre. Simplement pour vous rassurer que la pool est réellement la pool de Azure, vous avez simplement à cliquer sur leur lien pour tomber sur leur page pour vous rassurer que c'est réellement de Azure que sont ces différentes pools. Donc vous pouvez voir là, les pools sont presque pleines. Voilà, mais vous pouvez encore déléguer vos Cardano. Donc tout ce que vous avez à faire, c'est de choisir l'une des deux pools et cliquer sur déléguer. Ici, c'est le pourcentage des frais. Donc quand vous cliquez sur déléguer, et notez bien, nota bene, vous devez déléguer avec le même wallet, vous ne pouvez déléguer que vers un seul validateur. Vous ne pouvez pas déléguer chez plusieurs validateurs à la fois, sinon plus tard vous allez avoir vraiment des problèmes. Alors, quand c'est fait, vous allez voir que c'est la quantité totale stockée dans votre compte qui est automatiquement validée, qui vont tous sur le validateur. Voilà, et ensuite vous cliquez sur déléguer, vous validez et le tour est joué. Vous allez simplement venir au niveau de votre tableau de bord et vous allez voir la quantité totale de vos Cardano qui ont été stockés. Et plus bas, vous pouvez voir chez quel validateur vous l'avez fait, stake pool delegation, ou délégué. Vous allez voir que moi j'ai staké mes Cardano chez Frogto. Alors, ici, comment va se passer la redistribution des Sundays? Lorsque vous stakez vos Cardano, chaque 5 jours, vous obtenez les récompenses en Sunday. Et chaque 5 jours, vous avez la possibilité de remettre vos Cardano pour obtenir les Sunday Swap. Et ce processus va se dérouler sur environ 6 mois. Voilà, donc c'est une très belle opportunité à saisir que de laisser vos Cardano pour bien poser dans vos comptes. Voilà, une très belle opportunité. Voilà les amis, si la vidéo vous a intéressé, je vais simplement vous inviter de nouveau à partager. Lâchez-moi un like, laissez-moi votre avis en commentaire. Et pour faire grandir la communauté, je vais vous inviter aussi à partager. Vous ne perdez rien. C'est une façon à nous de nous encourager à vous produire encore plus du contenu de plus en plus intéressant. N'oubliez surtout pas de cliquer sur la cloche de notification pour être le premier à être notifié des futures opportunités. On va se dire à très bientôt dans une autre vidéo. Ciao, ciao!